Dans la communauté de communes de la région d'Audruicq, on souhaite que les seniors restent autonomes le plus longtemps possible. Alors, chaque semaine, des ateliers sont organisés autour de l'alimentation, la santé et le bien-être. Ça s'appelle les jeudis papotes. Le rituel du jeudi, c'est le petit café du matin. D'abord on papote et après on fait la popote, car l'alimentation est une clé pour rester en bonne santé. On va remplacer le sel comme ça par d'autres techniques pour avoir quand même du goût et du plaisir aussi au niveau des yeux. Comment apprendre à cuisiner sans sel pour éviter l'hypertension ou avec moins de graisses animales pour prévenir les maladies cardiovasculaires? Sonia Gaborio, diététicienne, donne des petits trucs. Donc on a testé aujourd'hui plusieurs tests avec des épices, avec des condiments, avec des légumes lacto-fermentés, avec des agrumes. Le type de cuisson aussi, est-ce que c'est dans l'eau ou est-ce que c'est avec des cuits en même temps que des légumes, du coup, pour pouvoir tester que les papilles de ces dames puissent dire bah voilà, qu'est-ce que je préfère, et en fin de compte, je peux me passer du sel. Bah moi, je découvre tout ça et je sens, les même sans goûter, les papilles, l'odorat. Ça donne envie. Ces ateliers cuisine sont organisés à Audruicq dans le cadre des Jeudis Papotes. Différentes animations pour rompre l'isolement des seniors et prévenir la perte d'autonomie. On a mis en place un projet à destination des plus de 60 ans autour de l'alimentation, de l'équilibre alimentaire, de la santé et également autour du bouger. C'est-à-dire qu'il y a des petites balades patrimoniales qui sont mises en place, de la remise en selle avec du vélo et également des carrés potagers et du travail au potager pour nos seniors sur le territoire. C'est relaxant, c'est dans une bonne humeur qui fait du bien au moral et on apprend plein de choses finalement parce que on n'a pas l'habitude de cuisiner de la sorte et c'est une bouffée d'énergie.